Tu veux peut-être, ou tu veux le dire après, pourquoi, comment est venue l'idée de MySam et Alors, comment l'idée est de venu ce MySam, projet? déjà, elle est venue d'une rencontre entre Serge, qui est un autre associé, qui est mon associé sur MySam, qui était l'ancien directeur financier d'un grand groupe de travaux publics. Et dans son métier, il a rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans les TP, qui avaient du mal à suivre leur rentabilité, voilà, qui faisaient des prix un petit peu au nez. Et qui, en fait, après quelques années, coulaient leur boîte parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer correctement, en fait, les prix de vente, les entrées d'argent, la trésorerie, ce genre de choses. Et donc, il s'est lancé dans le conseil auprès de ces entreprises-là, donc spécialisées dans le TP. Et il avait des fichiers Excel, voilà, qu'il animait. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, ton idée est super bonne, et si on faisait ça d'une façon un peu plus digitale, quoi? Si on digitalisait ton idée et qu'on essayait de l'offrir à tous les entrepreneurs qui démarrent. Voilà. Pour être très très rapide, l'idée, elle est née comme ça. Donc ça a mis du temps, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour lancer ce projet-là qui aboutit aujourd'hui, qui est en production, qui tourne avec plusieurs dizaines, voire centaines d'utilisateurs. On est toujours en phase de démarrage, j'ai envie de dire ça. Voilà. Oui, et puis tu as pris un virage avec une autre cible. Ouais, On a et on a changé de ciblé une niche, persona. tout à fait. Aujourd'hui, on a pris une niche, on a ciblé les personas, les couveuses d'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous êtes passé par là. Donc là, c'est pour très clairement nous développer plus vite. Donc on va signer prochainement un partenariat avec l'Union nationale des couveuses d'entreprise. Donc on a déjà différentes couveuses qui utilisent notre solution pour suivre leur solde. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des couveuses d'entreprise. Oui. Donc, il y a un paramètre qui est très important pour les couver, c'est leur solde en temps réel. Et ils ne l'ont jamais. Ils vous attendent 1 mois, 2 semaines, 3 semaines pour l'avoir. Et avec notre solution, ils arrivent à avoir leur solde en temps réel. Dès qu'ils rentrent les factures, dès qu'elles sont encaissées ou dès qu'ils se font rembourser des notes de frais. Voilà. Et l'idée, c'est qu'ensuite, lorsque les couvées sortent des couveuses d'entreprise, eh ben, elles continuent d'utiliser notre solution. Voilà. Je laisse la parole à toi, Muriel, peut-être, je ne sais pas. Du coup, oui, bon, les filles me connaissent, c'est peut-être plus pour ceux qui sont en replay. Donc, Muriel Génière, donc j'ai lancé Foxeo il y a bientôt 4 ans maintenant. Et donc, je me suis spécialisée sur la partie création de contenu pour les entreprises, principalement en B2B. Et depuis mes débuts, j'avais un projet en tête, c'était d'accompagner les rédactrices à se lancer et se développer. Et au début, je ne me sentais pas légitime, donc j'ai attendu, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin de mon côté, d'avoir de l'expérience. Et ensuite, j'ai créé donc, Foxmaster, le programme de mentoring vidéo, donc avec accompagnement principalement individuel pour que je puisse être à votre côté comme un mentor et qu'on puisse ensemble gravir des étapes, des échelons, des paliers, faire des choses que vous n'avez jamais fait avant, apporter aussi de la méthode pour que vous puissiez, tant que rédactrice, vous développer, avoir plus de chiffre d'affaires et avoir aussi des clients que vous souhaitez et pas se contenter comme on peut le faire du bouche à oreille qui amène des clients par-ci par-là, mais sans maîtrise de ceux avec qui on veut travailler. Donc voilà, je vous laisse la parole. Célia, si tu veux commencer. Ça marche. Moi, c'est Célia Depin. Je suis consultante en communication digitale. Ça fait bientôt 3 ans que je suis à mon compte en micro-entreprise. Donc voilà, ma spécialité, ce sont les réseaux sociaux, la création de contenu pour le web, sur les sites internet, des articles de blog, des pages web. Tu peux parler un petit peu plus fort? Moi, je ne t'entends pas très bien de loin. Ah, c'est vrai? Oui. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux, oui. Merci. Donc, oui, pour reprendre, donc ma spécialité, ce sont les réseaux sociaux et aussi la création de contenu sur le web, que ce soit des articles de blog, des pages de contenu, des pages web, pages produits, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis en Bourgogne et je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que moi, j'ai
n'ai pas d'outil de gestion pour mon entreprise, je ne passe que par des tableaux Excel, j'en ai dans tous les sens. Et donc, s'il y a un outil qui puisse me permettre de tout rassembler sans m'éparpiller partout, c'est super. Merci. Et toi, Marine? Alors, du coup, moi, j'habite en région parisienne, près de la forêt. Je suis rédactrice. C'est possible, ça? Ouais. C'est possible. C'est les Yvelines, alors? Non, c'est les Hauts-de-Seine. Ah, bon, ben, j'ai tenté. Voilà, mais c'est pas loin. Hein, c'est, voilà, c'est, je suis en sandwich entre Paris et les Yvelines, ouais. Donc, je suis rédactrice depuis 4 ans, avec plutôt une enfin, avec plutôt des clients dans la mode, dans la beauté. Et la partie web, c'était pas trop mon domaine de prédilection. Donc, c'est aussi l'objet un peu de l'accompagnement avec Muriel, c'est de se lancer un peu sur ce côté-là, tout en continuant à développer la partie que, disons, que où j'ai déjà pas mal de légitimité et de maîtrise. Et donc, voilà, donc, nouvelle cible, voilà, c'est les personas, les fameux personas. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis, en fait, maintenant, j'en parle à tout le monde. Et voilà, et moi je suis assez férue de... J'aime bien piloter, savoir où j'en suis. J'ai des copines qui me disent, mais t'es complètement malade, toi, de... Enfin voilà, je fais attention, même si je suis en micro, je calcule quand même mes charges pour savoir si je peux investir ou pas, ou savoir où j'en suis. Ça fait 4 ans que vous êtes là, c'est que ça marche. C'est, ouais, c'est un bon c'est signe parce qu'il y a... Quand on a lancé notre projet, on a fait une petite étude de marché et les jeunes entreprises, dans les 2 ans qui ne géraient pas correctement leur activité, ben fermaient, quoi. Mm-hmm. Ça vivait pendant 1, 2, grand maximum 3 ans et au-delà, on ne peut pas vivre sans piloter son activité, sa rentabilité, l'aspect finance. Même si ce n'est pas forcément le plus intéressant, moi le premier, hein, mm-hmm. Votre métier, c'est de faire du marketing, entre guillemets, les trucs important. Créatifs, donc voilà. La compta, c'est tout important créatif. Pour l'entreprise. Ouais. Et Yann, je ne sais pas si vous avez terminé. Si, si, ça va, c'est bon. Nastassia qui nous a rejoint. Ah, super. Oui, bonjour. Bonjour, Nastassia. Attendez, j'ai activé la caméra, je crois qu'elle n'est pas activée. Oui. Alors, moi, j'habite près de Metz et donc je me lance juste en tant que community manager et rédactrice freelance. Et donc, voilà, je suis vraiment au début de mon activité. Donc, c'est pour ça que ce genre d'outil peut être intéressant pour son organisation. Donc, voilà, ça m'intéresse bien. Complètement, d'accord. C'est bien. On peut prendre les bonnes habitudes dès le départ, c'est bien. Voilà, au début, c'est pas toujours évident de savoir comment s'organiser, sur quoi se... Enfin, quel outil utiliser, donc... Et j'avais une question, et bah, par rapport à ce qu'on... Bah, à l'atelier, est-ce que vous avez des questions, des points, vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'on voit ça, ou une attente particulière, ou des questions... Est-ce que vous imaginez quelque chose, est-ce que vous avez des attentes ou des questions par rapport à l'atelier? Ou pas du tout. Honnêtement, non, parce que je connais pas du tout l'outil, donc je suis vraiment là pour découvrir et donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de questions en amont. D'accord. Et c'est via Marine, du coup, est-ce qu'il y a Marine, j'ai ma petite idée, mais ah, t'as plus ton son. Moi, c'était plus, je me suis inscrite sur le site. Je sais pas, il y a un peu moins d'un mois, un peu tout feu tout flamme, et puis j'ai pas du tout pris le temps finalement de rentrer un peu mes différentes infos. Donc j'ai bien envie de voilà découvrir comment ça fonctionne et voilà un peu en mode découverte. Voilà. Tu okay. penses à quoi Tu la question que tu m'avais posée sur la TVA. Ouais. Je crois que je l'ai résolue entre temps, il me semble. J'ai fait ma première déclaration hier, donc voilà. Ok, d'accord.
Ce que je propose de faire, je vous présenter vraiment l'outil avec des aspects opérationnels, mais des aspects aussi de gestion. Et n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions pendant la présentation. Ce qui est intéressant, c'est justement d'échanger sur vos vraies problématiques, hein. Il y a des problématiques communes à tous les entrepreneurs et il y a des problématiques aussi spécifiques à chaque métier. Quelqu'un qui est dans le marketing n'aura pas les mêmes problématiques au niveau des devis ou de la facture que quelqu'un qui est dans les travaux publics, par exemple. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions là-dessus. Ben je vais démarrer. Je n'ai pas dit que je suis originaire de Metz. Donc, voilà, je l'ai dit aussi. Important. Donc, l'idée de l'outil à la base, c'est d'accompagner des entrepreneurs comme vous pour vous aider à piloter correctement l'activité. Mais de façon très simple, c'est de savoir à peu près où vous en êtes par rapport à un budget prévisionnel. Donc ça, je vous montrerai après, mais l'idée, c'est avant de se lancer dans un projet, je pense que vous avez travaillé sur un budget. Un budget, c'est quoi? C'est en gros des charges, hein, de l'argent qui sort, et des produits ou des recettes, c'est de l'argent qui rentre. Et il faut qu'à la fin de l'exercice, eh ben, il vaudrait mieux que ce soit positif. D'accord? Donc l'idée, c'est en temps réel, comparer l'ensemble de vos charges et l'ensemble de vos ventes, de vos recettes, par rapport à ce budget prévisionnel pour voir si vous êtes en avance de phase ou en retard de phase. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, d'analyser en temps réel votre rentabilité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des comptables. Donc c'est des hommes de chiffres. Ils vous donnent souvent des bilans à la fin de l'année ou 3 ou 4 mois après que vous ayez demandé un pré-bilan. Donc c'est un petit peu tard pour savoir si vous êtes dans le rouge ou pas, si vous avez pris les bonnes décisions ou pas. Au niveau des statuts, d'ailleurs, on peut juste refaire le point qui est en quel statut? Un micro. Micro. Entreprise. Ok. Micro-entreprise aussi. Ok. Micro, 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 ok. Ok. Donc l'idée, elle est là en fait. C'est de vous aider, ce n'est pas votre métier, la gestion, mais avec des indicateurs simples et pertinents, de vous dire, ben voilà, je suis bien là, je ne suis pas bien là, je dois faire telle ou telle tâche aujourd'hui en termes de gestion. Donc l'idée, c'est quand vous vous connectez, donc c'est une solution qui est accessible sur le net, hein, c'est une solution SaaS qui est hébergée chez Azure. Voilà. Quand vous vous connectez, c'est de voir en gros la liste de tâches que vous avez. Donc là, on voit que ici, j'ai ma souris. Ici, j'ai une liste de tâches à effectuer. Typiquement, là, j'ai 7 devis à relancer que j'ai oublié de relancer. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de devis. Moi, parfois, j'ai des artisans à titre perso qui font des travaux chez moi ou à qui je demande des devis et ils oublient de me relancer, ils m'oublient complètement comme client. Donc, l'idée, c'est que vous êtes accompagné dans ce suivi des devis. Vous avez peut-être des fichiers Excel avec plein de devis, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc là, je sais que si je clique là-dessus, j'ai ces 7 devis-là que j'ai fait à des clients qu'il faudrait peut-être que je relance parce que j'ai pas de retour. Je ne sais pas s'ils sont d'accord, pas d'accord, etc., etc. Et ce principe-là, on l'a pour pas mal de choses. On l'a par exemple pour les créances échues, un truc hyper important. Demain, vous faites des factures, vous avez fait la prestation et ben, vos clients ne vous payent pas. Ça arrive assez régulièrement. Donc ici, en un clic, vous allez voir automatiquement la liste des factures dont la date de paiement est dépassée et pour lesquelles vous n'avez pas reçu de paiement. Donc là, typiquement, je vois tous mes clients bah, qui me doivent de l'argent. Et là, l'idée, c'est avec l'outil, très facilement, bah, soit vous allez sélectionner une facture, voir le client, vous l'appelez au téléphone, soit vous pouvez sélectionner l'ensemble des personnes ici concernées et de faire une relance par mail, par exemple. Je vous montrerai après dans le détail comment que ça marche. Donc, en un clic, là, vous allez dire à votre client, et vous m'avez oublié, il faudrait penser à payer vos factures, s'il vous plaît. Voilà. Là, on est vraiment dans la gestion, entre guillemets, opérationnelle du chiffre du chef d'entreprise. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour aller chercher l'argent qui est dehors, relancer les aspects commerciaux, relancer les aspects financiers? D'accord? Donc, on a la même chose sur des factures récurrentes, sur les factures à émettre, sur des avoirs. Dans ce tableau de bord aussi, par exemple, si j'avais aucun devis à relancer, je ne verrais pas cette information-là. Donc là, vous voyez que des informations pertinentes de gestion que vous devez faire assez rapidement. D'accord? Dans ce tableau de bord aussi, on voit votre chiffre d'affaires. Alors, je suis désolé, je vais avoir des chiffres un peu importants parce qu'à chaque fois, j'utilise la même entreprise en démonstration. Je commence à alimenter les chiffres. Donc ici, j'ai mon chiffre d'affaires. Ici, j'ai l'ensemble de mes dépenses finalisées.
Et ici, j'en parlerai plus tard, mais c'est le seul prévisionnel, on va dire, disponible. C'est très utile pour les couvées. Vous qui connaissez le monde des couveuses d'entreprise, bah ici, on a le solde recette moins les charges. Ensuite, ici, on a un indicateur. C'est assez basique, c'est une note sur 10. D'accord? C'est une moyenne, là. Cette entreprise-là, elle a une note de 7,3 sur 10 par rapport à sa gestion. Donc, c'est plutôt positif. Après, il faut aller analyser tout ça. Donc, l'idée, c'est avec un indicateur vert, orange, rouge, voir si je suis bien, pas bien. Donc là, typiquement, on voit que ici, j'ai, on va dire, 6 indicateurs, chiffre d'affaires, résultat, marge, heure prévisionnelle, taux horaire et créance. On voit si ici, je suis en avance de phase ou en retard par rapport à mes objectifs. Donc là, je vois que je suis à 78% d'avancement de mon chiffre d'affaires. Là, je suis à 91%. Là, j'ai déjà dépassé mes objectifs, etc., etc. Mais on voit aussi qu'en termes de créance, je ne suis pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on explique tout ça ici via un peu de texte. Je peux aller voir le détail. Donc, quand je clique sur l'indicateur, là, je rentre un peu plus dans l'analyse de ces chiffres. D'accord? Donc là, on voit qu'en termes de résultats et de marge, j'ai des super notes. Taux horaire, j'ai une super note. Ça veut dire que je vends bien et que je vends cher. Par contre, je ne suis pas bon en nombre d'heures et je ne suis pas bon en créance. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bon en créance? Si je vais voir en dessous, ici, j'ai facturé pour 367 000 euros de facture. Et sur ces 367 000 euros, ben j'en ai 246 000 qui sont des créances échues. Ça veut dire que je n'ai pas été chercher l'argent. L'argent est dehors. D'accord? Alors, j'ai beau avoir un super chiffre d'affaires, hein, c'est bien en termes comptables. Si je n'ai pas été chercher l'argent, on sait tous que si la trésorerie, la banque, il n'y a pas l'argent qui est sur le compte, ben ça peut mettre en très, très grosse difficulté l'entreprise, voire fermer l'entreprise. Donc là, en un clic, je vois aussi la ventilation de ces créances échues à moins de 30 jours. Entre 31 et 60 jours, il y a plus de 61 jours. D'accord? Et là, si je clique dessus, tout de suite, là, j'ai la liste de mes créances échues, il y a plus de 60 jours. D'accord? C'est clair pour le moment? Donc là, vous voyez, là, je suis vraiment dans la gestion. C'est voilà, quelle est mon activité aujourd'hui, hebdomadaire ou quotidienne, que je dois faire en tant que chef d'entreprise. Pas en tant que rédactrice web, pas en tant que marketeur, pas en tant que TP, c'est. Voilà, je dois faire un peu de gestion aujourd'hui, c'est gérer les aspects administratifs et financiers qui ne sont pas toujours intéressants. Ensuite, ici, on présente très rapidement une petite analyse financière avec mon chiffre d'affaires réel et prévisionnel. Donc en rouge, c'est le chiffre d'affaires réel par mois. En bleu foncé, c'est le chiffre d'affaires réel cumulé. Et en bleu clair, là, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel cumulé. Donc là, très rapidement, on voit que j'ai fait un gros mois d'octobre. Et que j'ai presque rattrapé mon objectif annuel de chiffre d'affaires prévisionnel cumulé. Ça permet une petite analyse assez rapide, assez basique, assez simple de l'évolution de mon business. D'accord? Je reviens juste sur ces indicateurs-là. Une autre possibilité que je pourrais avoir, ici, je pourrais avoir tous ces indicateurs-là qui sont verts, et ici, avoir un chiffre d'affaires qui est catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille faire de la prospection. Mon chiffre d'affaires n'est pas du tout au niveau attendu. Ça veut dire que je ne rentre pas assez d'affaires, je ne rentre pas assez d'argent. Donc, dans l'analyse de ces indicateurs-là, mon activité, ce n'est pas d'aller chercher l'argent qui est dehors, parce que j'ai été le chercher, mais par contre, c'est de faire la prospection. D'accord? J'ai une petite question. Oui? Est-ce qu'on est, qu'on est comment dire, moi je fais pas du tout de budget prévisionnel, désolée. Ouais. Enfin, Si. bon, comme j'ai 4 ans maintenant, je commence à voir ce dont j'ai besoin, mais c'est vrai que je fonctionne plus avec la rentabilité. Ouais. Et du coup, la question c'est, est-ce que je peux utiliser l'outil seulement pour la rentabilité? Alors, l'outil, vous allez devoir mettre en place un budget prévisionnel la première fois. Ok. Ensuite, très facilement, d'un exercice à l'autre, vous pouvez les dupliquer sans avoir à tout ressaisir. Après, alors volontairement, dans l'outil, on a forcé à mettre en place un budget prévisionnel parce que moi, j'estime en tant que chef d'entreprise, mon associé aussi, que c'est indispensable pour avancer correctement. Je vais faire un parallèle. Demain, vous voulez aller à Marseille en vacances. Bah, votre objectif, c'est d'aller à Marseille. Donc, c'est comment que je fais pour y arriver? Est-ce que je prends l'avion? Est-ce que je prends la voiture? Est-ce que je prends le train? Ok, bah, je prends la voiture. Ok, par où je passe? Et ça force les gens à réfléchir sur les moyens à mettre en place, à réfléchir aux moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif-là. D'accord?
Alors, on a simplifié ça. Je sais que la saisie, ce n'est pas toujours évident pour des gens qui démarrent. Hein. Moi aussi, ce n'était pas du tout clair au départ. Mais on a essayé de faire quelque chose de très simple, très basique au niveau global annuel. D'accord? Je vous rassure, une fois que le budget prévisionnel est mis une fois, vous pouvez le dupliquer très facilement. On reprend automatiquement les chiffres sur l'exercice suivant. Après vous qui avez déjà un retour d'expérience, on va dire, hein, vous avez déjà dû passer, vous avez juste à prendre vos chiffres, on va dire, de l'année précédente, de l'exercice précédent, et pourquoi pas initialiser votre budget prévisionnel avec ça. Et D'accord. peut-être adapter un petit peu le chiffre d'affaires, l'objectif, parce que vous voulez augmenter un petit peu vos objectifs. Peut-être que vous allez vouloir prendre une stagiaire pour vous accompagner, donc mettre un peu plus de charge en termes de peut-être rémunération. D'accord? OK. Et ça, il y a un petit tutoriel pour justement se pencher dans cette phase un peu budget prévisionnel. Ouais, et Ouais. on peut aussi vous accompagner là-dessus, on peut vous former. On propose des mini-formations en ligne, si ça vous intéresse, payantes forcément sur le sujet-là, mais si ça vous intéresse, c'est là. Moi, je peux le faire, mais surtout mon associé, c'est son dada, qui était ancien directeur financier, qui gère très bien ça. Mais c'est une preuve de maturité pour moi. C'est avoir cette démarche-là tout de suite, ça permet de voir si on est complètement à l'ouest quand on démarre ou si on est sur le bon chemin ou qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Et que ce soit en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de charges. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens en termes de charges et du coup, bah, qui coulent leur société à cause de ça, quoi. Parce qu'ils vont tout de suite dépenser, je dis une bêtise, acheter un PC, 5 écrans, etc., alors que c'est pas le nerf de la guerre, quoi. D'accord? Et ce qui est intéressant de voir aussi, là, typiquement, on parle des objectifs, ça tombe bien. Ici, on voit que c'est mes objectifs annuels. D'accord? Donc, ça, c'est mon budget prévisionnel. En fait, j'ai prévu de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en main-d'œuvre, 100 000 euros de chiffre d'affaires en marchandises. Donc, ça fait un total global de 200 000 euros. Et automatiquement, j'ai calculé pour les prestataires de services un taux horaire de 35 euros. Donc, typiquement, est-ce que pour vous, ce taux horaire-là, il est juste ou pas? Peut-être qu'il est complètement dans le marché, il est peut-être à 10 euros ou l'inverse à 100 euros. Ça permet de savoir si vous avez bien ciblé votre marché. D'accord? Et on voit que, donc ça, tout ça, je vous le présenterai tout à l'heure, mais pour atteindre mes objectifs, je dois faire 2847 heures. D'accord? Je vous montrerai comment on définit tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'objectif cumulé au mois. Alors, c'est tout bête, on proratise. Hein. J'ai 12 mois, je suis le 10e mois, je suis au 10-12e du mois. Voilà. Je devrais être. Donc, j'avais un objectif de 100 000 euros global. Le mois en cours, je devrais être à 80 000 euros. Et on voit qu'aujourd'hui, je suis à 119 000 euros. Donc, je suis en avance par rapport à mon prévisionnel. Donc, c'est un voyant qui est au vert. Ça, sur la partie main-d'œuvre. Par contre, on voit qu'en termes de vente de marchandises, eh ben, je suis complètement en retard. Typiquement, là, moi, qu'est-ce que je ferais en tant que chef d'entreprise? Bah, j'avais prévu de vendre pour 100 000 euros de marchandises. On voit que c'est quelque chose qui ne marche pas du tout, quoi. Donc là, je reverrai mon budget prévisionnel. On peut le réadapter comme on veut, on peut le modifier comme on veut, en me disant, bah, finalement, cette vente de marchandises, je vois que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon dada, ça ne marche pas, quoi. Et je vais me concentrer vraiment sur la partie prestation de service. Ici, donc là, c'est le cumulé. Ici, on voit que c'est le taux horaire. Donc, on voit que j'avais un taux horaire. L'objectif, c'était de vendre à 35 euros. Et je vois que finalement, je vends à 223 euros. Donc, largement au-delà de ce que j'avais prévu. Ce qui est un indicateur pertinent, hein, c'est que je sous-estimais en fait la possibilité de vendre cher mes prestations. D'accord? Et ça a compensé quoi? Ça permet de compenser quoi? En termes d'heures prestées, j'avais prévu de faire. Aujourd'hui, j'aurais dû faire 2200 heures. J'en ai fait que 537. Alors, le voyant, il est rouge par rapport à mon objectif prévisionnel. Mais vu comme j'ai vendu très cher mes heures, ben, en termes de chiffre d'affaires, je suis plutôt pas mal, quoi. Donc, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que je bosse beaucoup moins que prévu. Je vends très cher, mais j'arrive à avoir un chiffre d'affaires conséquent. Si typiquement, ici, on avait un taux horaire à 35 euros, le chiffre d'affaires, ici, serait catastrophique. Catastrophique, pardon. D'accord? Donc là, l'idée, c'est très rapidement, en regardant ces chiffres, pour n'importe qui, hein, même si vous n'êtes pas expérimenté dans la partie gestion, c'est de dire, ben voilà, je fais trop d'heures, je ne fais pas assez d'heures, je vends trop cher, je ne vends pas assez cher, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma rentabilité?
Ou peut-être ne rien faire. Là, moi, je vois ça, je me dis, bon, je vais peut-être rester tranquille. Je bosse 4 fois moins de prévu et je suis finalement pas trop mal et ça me va bien. D'accord? Ensuite, on continue sur une autre analyse de chiffres, c'est la partie marge. Donc là, on voit que en termes de marge, c'est très positif. D'accord? Et ici, ce qui est intéressant, c'est. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez ça, c'est la rentabilité et le point mort. L'idée, c'est quoi? C'est sur un exercice donné, vous avez des charges et des produits. D'accord? Le point mort, c'est le nombre de mois à partir du moment où vous allez commencer à passer dans le positif. Alors, même si vos charges sont lissées complètement sur un exercice complet, l'idée, c'est de dire, ben voilà, le premier mois ou les 3 premiers mois, je travaille pour rembourser, entre guillemets, pour payer toutes mes charges annuelles. Et au-delà de ce point mort, je vais rentrer de l'argent et ce sera pour moi. D'accord? Et en fait, ce point mort-là, il est super important parce que s'il dépasse l'exercice, ça veut dire que vous gagnez pas d'argent, mais vous perdez de l'argent. D'accord? Plus le point mort sera au début de l'exercice, plus vous allez gagner de l'argent, plus le point mort sera à la fin de l'exercice, moins vous allez en gagner, mais vous allez en gagner quand même. Mais si votre point mort est au-delà de la date de fin de votre exercice, ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et par rapport au poids mort, est-ce qu'il y a une norme pour dire, OK, pour que ça soit bien, il faudrait que ça soit autour de tel mois, Non, ou il n'y en a pas du tout? ça va dépendre des métiers. Ça va OK. dépendre des métiers. Il n'y a pas du tout de normes. Mais moi, je trouve que c'est un indicateur qu'on trouve ici sur ce graphique, hein, où il y a le prévisionnel ici en bleu, mais ensuite il y a les projections de résultats qui arrivent à peu près ici. Voilà. Mais c'est intéressant de voir si on est en avance ou en retard par rapport à nos projections. Cet indicateur qui est pour moi très basique, hein, c'est signe d'une bonne santé ou pas de l'entreprise. OK. D'accord? Voilà les tableaux. Ici, on suit les créances clients. Voilà, mars, avril, mai. Donc, c'est des informations intéressantes. Et ici, on suit également la liste des dépenses que vous avez saisies dans l'outil. On compare ce que vous avez budgété en termes de dépenses et ce que vous avez saisi réellement dans l'outil. Donc là, je n'ai pas saisi grand-chose. Voilà, j'ai saisi qu'une seule dépense de 240 euros. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc là, on n'a pas de questions pour le moment. Je ne vous noie pas, je ne vous fais pas peur. Non, non, c'est c'est bon. l'envie. Voyez, là, typiquement, on est vraiment dans cette activité de chef d'entreprise. Je fais un peu de gestion, j'analyse un peu mes chiffres, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. D'accord? Alors là, dans ce tableau-là, je compare vraiment mon chiffre d'affaires par rapport à mon budget prévisionnel. D'accord? Je vais vous montrer un autre tableau qui est très intéressant, qui est accessible ici où, quand je suis dans mon tableau de bord principal, il est accessible directement ici. C'est le contrôle budgétaire en temps réel. Donc là, qu'est-ce que c'est? Alors, attends, je vais déplacer l'écran. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les chiffres réels que j'ai saisis en termes de recettes et de charges, et j'analyse en temps réel la rentabilité de ma structure. Donc là, typiquement, à l'instant T, là aujourd'hui, je fais 97% de marge. C'est une marge de compète. Hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais voilà, c'est une très bonne marge. Et je vois qu'aujourd'hui, à l'instant T, je gagne 122 000 euros de bénéfices. D'accord? Et derrière, en fait, je peux analyser. Je vais comparer, par exemple, pour mes charges, je vais comparer les charges que j'ai saisies par rapport à mon budget prévisionnel. Donc là, je rentre un peu plus dans le détail encore, je vais un peu plus loin. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas tous les jours, par exemple, le contrôle budgétaire en temps réel. Je peux si je veux, hein, mais une fois par mois, je pourrais analyser ces chiffres-là. Là, on voit par exemple que ça, c'est les chiffres réels en termes de charges et dépenses que j'ai saisies. Ça, c'est ce que j'avais prévu dans mon budget prévisionnel. Et là, je compare. Typiquement, j'avais prévu de dépenser 800 euros en termes de marchandises. On voit qu'aujourd'hui, je n'ai rien dépensé du tout. Donc, je suis quelque part en avance de 800 euros. Donc, c'est un voyant qui est ouvert. Idem, par exemple, pour le carburant, j'avais prévu de dépenser 400 euros de carburant. Aujourd'hui, j'ai dépensé que 150 euros. Donc, quelque part, je suis en avance de 250 euros par rapport à mes charges prévisionnelles. Donc, on voit que
Là, je ne dépense pas, je dépense même moins que prévu sur ces postes-là. Après, on fait ça en fait pour chaque poste de charge. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut saisir ces dépenses. Là, typiquement, j'avais prévu 20 000 euros de salaire de personnel. J'ai dépensé que 2 000 euros, donc je suis en avance de 18 000 euros. D'accord? Est-ce que j'ai un rouge quelque part? Ouais, là, j'ai un rouge. J'avais prévu aucun frais de communication. Et là, on voit que j'ai dépensé 90 euros de frais de communication. Donc, par rapport à mon budget prévisionnel, bah, j'ai un petit peu dépassé ce que j'avais prévu. Donc là, pareil, j'arrive à analyser poste de charge par poste de charge mes différentes dépenses. Est-ce que le budget que j'ai fait, et c'est pour ça que je dis que c'est important, est-ce que le budget prévisionnel que j'ai fait est plus ou moins juste? Est-ce que je suis en avance ou en retard par rapport à mon budget prévisionnel? D'accord? Ça, on fait de façon détaillée, mais quand même. Alors, au niveau des comptes de charge, ici, on pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Nous, on a déjà essayé de consolider ces différents comptes comptables où tout le monde se noie, moi le premier, ce n'est pas toujours très clair. Donc, on les a consolidés. Je pense que tout le monde a à peu près un loyer, tout le monde a des assurances, vous faites peut-être de la publicité, des cadeaux clientèle. Voilà, on a essayé de prendre les termes les plus courants, on va dire, pour tous les entrepreneurs. Donc, on fait ça pour les charges et vous pouvez aussi détailler vos produits. Donc là, typiquement, aujourd'hui, j'ai vendu 119 000 euros de main-d'œuvre. J'avais prévu 80 000 euros aujourd'hui. Je vois que je suis en avance de phase de 39 000 euros. Donc ça, c'est très positif. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, en termes de vente de marchandises, je suis complètement à la ramasse, quoi. Je suis en retard et ce n'est pas du tout mon business. Et donc, on voit que là, par rapport à mes charges prévisionnelles, bah, j'ai dépensé beaucoup moins. D'accord? Et par rapport à mes produits, j'avais prévu de faire 160 000 euros de produits. Aujourd'hui, je suis qu'à 34 000 euros. Alors, je suis conscient que ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, là, mais c'est intéressant d'analyser parfois en détail toutes ces lignes. Ce tableau-là, il ne faudra pas y venir tous les jours, mais ponctuellement, pour vous, ça peut être intéressant. Moi, je le conseillerais de le faire au moins une fois par mois, de venir voir si on est bien ou pas par rapport à son budget prévisionnel. Et là, on est vraiment dans l'analyse de la rentabilité en temps réel de votre entreprise. D'accord? J'ai une question Oui. au niveau plus du statut de micro. Oui. Comme il n'y a pas de salaire à proprement parler, Oui. Vous versez des primes ou vous versez des voilà. rémunérations? Ouais. Comment vous faites? Moi, j'applique dessus. Bon, bah déjà, il y a les charges de l'URSSAF. Et après, justement, moi, j'aimerais bien appliquer un pourcentage d'épargne congé payé et un pourcentage d'épargne retraite, par exemple. Alors, je vous montre ça tout de suite ici. Donc, je rentre dans une fonctionnalité où on saisit les dépenses. Donc, j'ai deux possibilités de saisir des dépenses, c'est-à-dire des charges, soit les dépenses, soit les rétributions. Donc, c'est dans cette partie-là, les rétributions, c'est vos rémunérations en fait. Et D'accord. là, on a laissé vraiment complètement libre l'utilisateur. Donc là, je vais ajouter une rétribution. Vous pouvez saisir une désignation. Je sais pas, moi, je vais marquer salaire octobre 2021. Vous allez saisir la date de référence pour vous, le mois concerné, et vous êtes libre de saisir le salaire net, le salaire brut sans charge, le salaire brut chargé. Donc là, vous rentrez les valeurs que vous souhaitez. Donc, le logiciel, ce n'est pas un logiciel de paye. Donc, on ne gère pas du tout la paye. D'accord? Par contre, avec ce que vous me dites, vous allez me dire, bah voilà, moi, je me verse 2 000 euros net. Je sais qu'avec les charges, les congés payés, etc., c'est, je dis une bêtise, 2 800 euros, mais qu'avec les charges patronales, c'est 4 000 euros. D'accord? Vous avez fait vos calculs à côté. Vous allez sauvegarder ça. Et ça va venir alimenter tout ce qu'on a vu D'accord. OK. automatiquement. La CSG, CRDS, les cotisations pour une auto-entreprise, tu l'as saisie ici ou il faut la saisir plutôt ailleurs dans l'outil? Alors, je pense que je la saisirai ici, moi, Oui, d'accord. en termes de charges. Après, pour être franc avec toi, si je veux être sûr, il faut que j'appelle un ami, c'est-à-dire Serge. Il dira, ah non, non, Christian, tu as dit une connerie, c'est peut-être là. Donc voilà, mais ça, c'est le type de question que vous pouvez demander à notre support par mail, en fait. Si demain vous avez une question comme ça, vous envoyez un mail à support@mersam.com et on vous répond. Parce que ça, tu penses qu'on la paye où et comment? Moi, ça me... Enfin, je sais ce que c'est, mais je la paye en tant que salarié, mais...
Pardon, je n'ai pas compris la question. La CSG. La CSG. Voilà. C'est le pourcentage sur ton chiffre d'affaires, en fait. C'est ce que je paye à l'URSSAF ? Oui. Okay. C'est compris dedans ? Oui. Tu as peut-être l'impôt libératoire si tu as pris l'option libératoire. Et puis, dans les cotisations sur ton chiffre d'affaires, quand tu déclares ton chiffre d'affaires de ton entreprise, tu as toutes les cotises dedans. Donc, je crois que c'est 25% en service. Ouais, à peu près. Ouais. Une vingtaine de pourcents. OK. Alors, je reviens sur l'outil, ce que je vous ai présenté là, contrôle du budget en temps réel. Il y a certains utilisateurs qui ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Ils utilisent uniquement l'outil pour refaire leurs devis et leurs factures et ils ne saisissent pas leurs dépenses. D'accord ? Le problème, c'est que ça fausse complètement certains indicateurs et que ça ne permet pas d'analyser vraiment les chiffres. Maintenant, c'est une possibilité. Je sais qu'il y a certains utilisateurs qui le font parce qu'ils utilisent l'outil juste pour faire du devis et de la facturation. Mais du coup, on perd un petit peu la puissance de l'outil qui permet d'analyser la rentabilité en temps réel et qui permet de voir là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon. C'est pour ça que je dis que le budget prévisionnel, pour moi, c'est quand même quelque chose de... Oui. Tu peux montrer un peu le budget, peut-être, avant de passer sur les devis factures, ouais. Du coup, qu'on se rende compte... Alors, je vais vous montrer les budgets. Donc, c'est sur le menu en haut à gauche. Vous allez sur la partie budget en bas. Hop là, simulation budgétaire. Dans l'outil, vous pouvez faire toutes les simulations budgétaires que vous voulez. D'accord ? Illimité. Il y en a une qui est appliquée pour calculer les indicateurs. C'est celui qui est topé comme référence. D'accord. Donc, quand je vais dans un menu, dans une simulation, si je vais dans le résumé, on voit ici, si je clique sur appliquer, ça va être cette simulation budgétaire-là qui va être utilisée pour le calcul de mes indicateurs. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a construit, justement, le budget prévisionnel, quand on a mis tous nos paramètres chiffre d'affaires prévisionnel, toutes les charges prévisionnelles, c'est là, dans ton résumé, qu'il nous conseille un taux horaire. Donc, en fonction du niveau de dépenses qu'on a dans notre entreprise, chacun a son propre taux horaire de rentable, quoi. Je vais vous montrer ça. Je vais, alors justement, pour ne pas en ressaisir un de zéro, je pourrais en ressaisir un de zéro. Là, je fais création de simulation budgétaire. Reprendre les données budgétaires d'un exercice précédent, je peux dire non et j'en crée un tout de suite. Ou bien si je dis oui, je vais reprendre un budget précédent. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout ressaisir. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est par exemple, je prends ce budget-là, je vais dans la partie résumé et je fais dupliquer. Et là, automatiquement, je reprends toutes les données de l'exercice que j'ai sélectionné avant et je vais pouvoir comparer. Donc, je vais le faire comme ça, c'est intéressant. Là, par exemple, je vais faire démo masterclass. Oui. Ici, on rentre en paramètre coefficient de charge sociale patronale moyen. C'est si vous avez des salariés. Donc, vous, ça ne vous concerne pas. Et ici, on a deux paramètres à mettre en place. C'est les paramètres des seuils. C'est quoi les seuils? Vous avez vu dans l'application, il y a du rouge, du vert et de l'orange. En fait, c'est vous qui les fixez. Donc, on met des paramètres par défaut, hein, 50, 90, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et typiquement, par rapport aux objectifs définis, si je dépasse là 90% de mon objectif, au-delà, je suis dans le vert. Si je suis entre 50 et 90, je suis dans l'orange. Moins de 50, je suis dans le rouge. Mais vous pouvez très bien mettre d'autres valeurs au niveau des seuils. Ça, c'est vous qui êtes maître de ça. D'accord ? Ça, c'est, je sauvegarde, ce n'est pas plus intéressant. Ensuite, il y a les charges RH. Donc là, je vous montre juste ce qu'on pourrait mettre. Donc, on saisit une ressource, son nom, son prénom, sa date d'entrée. On saisit son salaire brut mensuel, si vous avez demain un salarié. Ou alors, vous êtes non salarié, vous saisissez vos cotisations mensuelles. D'accord ? Et ici, on va analyser... on va dire le temps de présence et le taux facturable de la ressource. Par exemple, vous allez travailler 35 heures. Le taux d'absence, tiens, j'ai une question à vous poser. Combien de temps vous pensez de travailler sur une année complète en nombre de jours? Moi, je peux vous dire, j'ai mes chiffres. Ouais. Ce n'est pas une question piège, hein, c'est juste savoir si vous connaissez ça à peu près, quoi. Ouais, moi, je sais. Moi, je dois avoir un mois de congé à l'année. Cette année.
Donc, Travailler 510 heures depuis le début de l'année. Combien? 510 heures. D'accord. Après, donc, c'est tout. C'est pour mes clients, admin, c'est vraiment. Ah ouais, ouais, tout compris, exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, en gros, généralement, sur une année complète, un salarié, je prends un salarié standard, on va dire qu'il y a 220 jours de travail. J'arrondis, hein, en gros, c'est ça, s'il a à temps plein. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui avaient prévu dans leur budget prévisionnel de travailler 260 jours ou 280 jours. Ça veut dire qu'ils bossent tous les week-ends. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de congé. Voilà, donc c'est un paramètre qui est important d'avoir. Donc, le taux d'absence, c'est important à prendre en compte quand même dans l'estimation de ses charges. Parce qu'une personne qui est en congé, qui est en maladie tout bêtement, quand vous commencez à avoir des salariés, ben, quelqu'un qui est absent un mois, ça peut faire un impact conséquent sur le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a le taux de facturable. C'est ce que vous disiez, vous ne travaillez pas 100% du temps à être facturé. Vous avez des charges administratives, vous faites de la prospection commerciale, vous rédigez des devis, etc., etc. C'est du temps de travail qui va rentrer dans les frais généraux, en fait, parce que vous n'allez pas vous vendre 100% de votre temps. Et ça, c'est important de savoir si vous allez vous vendre à 50% de votre temps, à 40% de votre temps de travail professionnel, je parle. Après, si vous voulez travailler 3 jours par mois, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, sur le travail professionnel, est-ce que vous serez facturé à 50% de votre temps, à 80% de votre temps ou à 100% de votre temps? D'accord? Et donc là, on le fait pour, si vous êtes plusieurs, on peut le faire, je reviens là, pour différentes ressources. D'accord? Ensuite, on rentre dans le détail des charges. Donc là, on voit automatiquement que j'ai repris les charges de mon exercice précédent, de mon budget prévisionnel précédent. Et là, par exemple, je vais dire, ben ici, je vais acheter du matériel pour 2000 euros et l'essence, je vais passer à 5000 euros. D'accord? Et j'estime que mes autres frais que j'avais avant, ça ne change pas. D'accord? Je les conserve. Je sauvegarde. Je vais dans les produits. Ça, c'est mes objectifs de chiffre d'affaires. D'accord? Facile. Donc là, on a vu tout à l'heure. Il y a à faire, c'est bon, ça c'est facile. Allez, on a vu tout à l'heure que je faisais quasiment pas de marchandises, je vais mettre que 1000 euros. Et volontairement, je ne vais pas modifier ce chiffre d'affaires-là. Je reste sur mon objectif de 100 000 euros. D'accord? Je sauvegarde. Et là, en un clic, je vais sauter tout de suite celui-là, je vais aller sur résumé. En un clic, là, je vois quel est l'impact sur les résultats de mon entreprise. Sur le budget prévisionnel précédent, j'avais un résultat de 161 000 euros. Là, avec la nouvelle simulation que je viens de faire, je suis qu'à 55 000 euros. D'accord? J'ai mon taux de marge qui a diminué, c'est normal, j'ai rajouté de la charge et j'ai diminué mon chiffre d'affaires. Et là, je peux comparer chaque domaine. C'est vachement bien ça. Moi, je l'utilise quand je veux m'augmenter, quand j'ai mon chiffre d'affaires qui augmente. Je me dis, tiens, maintenant, je peux augmenter mon fixe. Et ben, je fais une simulation avant. Ou quand on me dit, bah, tiens, maintenant, j'en ai marre de bosser chez moi, je vais en coworking ou je vais prendre un bureau. Et ben, avant, on peut se dire, OK, si je reste comme ça dans mon chiffre, j'ajoute la charge et je vois, on voit ce que ça donne, quoi. Donc, en fait, là, très rapidement, effectivement, en faisant une simulation, vous pouvez voir si vous êtes capable d'assumer telle charge, par exemple, comme disait Muriel, de travailler en espace de coworking ou pas. Est-ce que vous êtes dans le rouge votre société? Je peux faire un autre exemple pour volontairement mettre en rouge ma société, modifier. Voilà, je vais mettre 100 000 euros de carburant. Ou une voiture en leasing aussi. Enfin, c'est les trucs qu'on va mettre le plus rapidement. Je fais un résumé et je vois qu'avec 100 000 euros de carburant, bah, en fait, là, je suis en train de couler ma boîte. Je suis à moins de 39 500 euros de résultat d'exploitation. Donc, je ne suis pas positif du tout. Donc, je ne pourrais pas m'acheter ma grosse voiture ou je ne pourrais pas... Enfin, si, je peux le faire, mais je coule ma boîte. Voilà. Donc, ça, c'est des indicateurs intéressants. Et la dernière chose qu'on a faite, ça, c'est tout récent, on a rajouté un petit simulateur. Ça, c'est juste à titre d'information. Où vous cliquez dessus et vous pouvez... Donc, ça c'est en fait, c'est l'URSSAF qu'il y a derrière. Vous pouvez faire des simulations en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entreprise indépendante. Par exemple, si je clique dessus, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là,
Très rapidement, vous pouvez dire, voilà, j'ai un chiffre d'affaires de 50 000 euros. J'ai des charges de 1 000 euros. Ça calcule automatiquement votre revenu net prévisionnel et votre revenu après impôt. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. Toi, Muriel, tu le connaissais. Donc là, ce site-là est super intéressant. Alors, c'est un site de l'État français, hein, où dessus, vous pouvez faire artiste, auteur. Bon, je ne pense pas que ce soit votre cas. Peut-être, vous êtes peut-être indépendant. Vous pouvez même comparer, hein, essayer de vous mettre en travailleur non salarié, en auto-entrepreneur, en EI, en EIRL, en SASU, voir ce que ça change. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez en termes de rémunération. Et dans le cas que tu viens de montrer, les charges, c'est toutes les charges de la société qu'il faut mettre ou c'était que les charges? Ça, Parce que moi, comme je suis en SASU, ouais, c'est pas pareil. Quand tu as fait non, quand tu as fait en auto ou en auto-entreprise, du coup, ils demandent de renseigner quoi? non, je pense que c'est les charges salariales là. Quand j'étais là-dessus, je ne sais plus sur lequel j'étais maintenant. Oui. Quand tu mets là les charges, c'est quoi? C'est juste les cotisations? Ah non, ça doit être les Les charges hors rémunération charges dirigeant. Je de. pense que c'est les charges globales. D'accord, Quand tu ok. cliques dessus, je pense qu'il détaille, voilà. Ce sont les Ok. dépenses d'entreprise engagées dans l'intérêt de celle-ci, hors rémunération. Donc typiquement, c'est ce qu'on a saisi ici, quoi. Vous l'avez. Tu prends la ligne de toutes tes. Tu as la ligne, tu as ici total des charges, à la rigueur, tu enlèves la partie ici des rémunérations si tu en as saisi quoi. Ok. Et ça, c'est sympa parce que vous pouvez voir l'impact que ça a sur votre rémunération. Est-ce que ça va pour le moment? Je vois avec des gros yeux, je sais que ce n'est pas la chose qui est toujours la plus intéressante dans vos métiers. Mais en termes de chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment important, quoi. Alors, je vous rassure, ce n'est pas à faire tous les jours, hein, mais à suivre, je ne vais pas dire tous les mois, mais presque, ça serait une chose. L'intérêt, c'est que là, vous ne perdez pas dans 15 fichiers Excel, il y a tout qui est centralisé dans la solution. Et automatiquement, le fait que vous saisissiez vos dépenses ou vos ventes dans la solution, ça va venir alimenter les indicateurs. Et après, c'est ce qu'on veut dire, c'est que dans les saisies, on n'est pas obligé de saisir chaque dépense à l'unité. Par exemple, je sais pas moi, ton l'abonnement téléphonique, on peut le saisir d'avance à l'année, quoi. T'es pas obligé de faire tous les mois, je vais saisir ma facture, ma facture, ma facture. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais saisir une facture, donc facture telle. Donc là, j'ai été dans le menu des dépenses, facture telle. Je peux renseigner des dates de paiement, est-ce qu'il y a la TVA Intracom ou pas. Vous mettez le numéro de facture qui est obligatoire. Là, vous allez saisir donc le compte de charge, tu as dit c'était les télécoms. Voilà. Vous mettez le taux de TVA de votre facture et vous mettez. Alors, soit vous le faites par facture, comme disait Muriel, enfin. Deux choix, soit vous saisissez toutes les factures unitairement, et là vous êtes vraiment clean de chez clean. D'accord? Soit vous n'avez pas envie, vous contournez un peu l'outil et vous allez juste alimenter les dépenses dans l'outil et vous allez saisir la totalité des factures de l'année. D'accord? Donc là, typiquement, là, on pourrait croire que j'ai fait une facture de 1 200 euros sur l'année. D'accord? À savoir que vous pouvez également ici faire une photo d'une facture. Je vais prendre ça, tac, et la mettre dans l'outil. Donc là, c'est un logo, mais vous pouvez. Mettre la pièce, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord? Ça marche avec le téléphone aussi d'ailleurs. Imaginez que vous êtes au restaurant, vous pouvez prendre une photo avec l'application. Donc vous lancez Safari, vous mettez un raccourci pour accéder à l'application. Vous allez dans la partie dans le menu dépenses et vous pouvez faire une photo de votre note de frais, quoi. Sans la saisir tout de suite, vous dites je ferai ça plus tard, mais au moins ma note de frais, mon ticket, il est déjà dans l'application, je le saisirai plus tard quand je rentre chez moi le soir. D'accord? Donc ici, on saisit les dépenses. Et hop là, oui, bon, je ne l'ai pas enregistré, ce n'est pas grave. Et ce que je vais vous montrer là, c'est peut-être tout le processus qui est important pour vous aussi, c'est toute la partie. Devis, j'imagine que vous faites toutes les quatre des devis. Vous allez en faire. Donc dans le process, c'est quoi? C'est vous allez faire un devis, vous allez l'envoyer à votre client, il va dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. S'il est d'accord, vous allez ensuite générer les factures. Et une fois que les factures sont faites ou la facture est faite, vous allez saisir les encaissements.
Ça, c'est le process, on va dire, entre guillemets, habituel. Donc, ce que je propose de faire, c'est ce process-là, juste standard, sachant que si vous le souhaitez, dans l'outil, vous pouvez faire une facture directement. Voilà, il y a d'autres chemins, j'en fais le plus standard possible. Donc, je vais saisir un devis. Alors là, je vois que j'ai déjà des clients qui existent. Si je cherche, par exemple, Vitali, il va me chercher tous les clients Vitali qui existent dans mon référentiel client. Au fur et à mesure que vous saisissez vos clients dans la solution, ça vient alimenter le référentiel client. D'accord? Donc là, je le sélectionne automatiquement, j'ai les informations du Et c'est client. là où c'est bien de mettre tout de suite le mail du client quand vous créez la fiche. Comme ça, après, quand on envoie les factures ou les relances, eh ben, on peut le faire automatiquement depuis l'outil. Je vais le faire là. On verra tout à l'heure. Donc là, j'ai renseigné les informations de mon client. Donc je peux aller très loin. Hein. Il y a des clients, vous avez peut-être des adresses de facturation qui sont différentes de l'adresse du contact. Il y a des clients, vous avez peut-être des adresses de livraison qui sont différentes, etc., etc. Faire des choses un peu détaillées pour alimenter le référentiel client. On gère aussi ici si vous avez des prélèvements SEPA, je ne pense pas que ce soit votre cas. C'est-à-dire vous Non. prélevez automatiquement l'argent sur le compte de vos clients. Vous pouvez générer un numéro de RUM. Mais ça, si vous avez besoin d'explication là-dessus, on le fera ultérieurement. On a une notion d'affaires. Donc, je crée mon client. J'ai une notion d'affaires, donc par défaut, on pré-renseigne les informations, on met le nom du client et la date du jour, donc ça, c'est à vous de le renseigner ou pas. Vous pouvez peut-être mettre à la place ces articles, rédaction, web, je ne sais pas quoi, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Et ensuite, ici, on va rentrer dans la saisie du devis. Alors, vais vous remettre sur le côté. Je ne sais pas si ça vous gêne ça, mais moi, ça me gêne. Voilà. On a différentes informations qui sont pré-renseignées, la date de rédaction, la date de validité. Ça, typiquement, c'est paramétrable dans l'outil. Est-ce que votre devis, par défaut, il est valable 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 semaines? Vous pouvez mettre des notes à destination du client. Vous pouvez mettre des mentions légales. Là, par exemple, j'ai créé hier un article légal formation rédactrice web. Si je clique dessus, automatiquement, on va mettre ce qui est associé. Ça aussi, c'est paramétrable dans l'outil. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez mettre peut-être voilà, TVA non applicable, article 239B du CGI, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, sauf quand on collecte la TVA. Effectivement, si vous la collectez, il ne faut pas le mettre. Donc, vous faites ça et vous êtes tranquille. Et votre facture est conforme ou sera conforme à la législation en vigueur. Sachez que depuis quelques années maintenant, vous n'avez plus le droit de modifier une facture. À partir du moment où elle est générée, on n'a plus le droit de la modifier. Donc aujourd'hui, vous utilisez peut-être Excel pour faire vos factures ou Word. C'est fortement déconseillé. Parce que l'État ne veut plus, et d'ailleurs, nous, on est obligé de respecter la législation en vigueur. À partir du moment où on génère une facture dans l'état final, on doit rendre impossible sa modification. Donc, si par exemple le client vous dit, ben, vous êtes trompé dans l'adresse, dans le nom, etc., mettez-moi une autre adresse, vous allez être obligé de faire un avoir et de recréer une nouvelle facture. Mais ça, c'est une obligation légale. Dans le devis, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, là, Si. je vais mettre ça, mais je ne sais pas si vous voyez les visages. Moi, j'ai les Non, c'est visages. chacun qui gère son écran pour ça. D'accord, ok. Donc ici, je vais saisir la première ligne de mon devis. D'accord? Donc ça, c'est une ligne, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans l'outil? C'est qu'au moment où vous saisissez votre devis ou votre facture, hein, on va analyser la rentabilité prévisionnelle de votre devis. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a un petit encart rentabilité. Et ici, il y a une analyse en fait du résultat de votre devis par rapport à ce que vous allez saisir. Et en dessous, j'ai aussi le résultat, enfin l'impact du devis sur le résultat de l'entreprise. Ça va vous permettre d'ajuster le prix ou d'augmenter un prix ou de diminuer le prix. Je vais faire d'abord un exemple là-dessus, tout bête, test.
prix horaire, je vais mettre un gros chiffre, tac. Là, en temps réel, on voit que je fais une prestation de main-d'œuvre de type test qui coûte 10 000 euros l'heure. On voit que je vais gagner 9 800 euros. D'accord? Et en temps réel, on a vu l'impact sur les résultats de mon entreprise ici. Là, par exemple, je suis à 135 000 et j'ai ma marge à 127 000. Maintenant, si je passe à 500 euros, on voit que les chiffres en temps réel ont été modifiés. D'accord? Ça, c'est intéressant en fait pour voir si les prix que vous faites par rapport à votre budget prévisionnel sont plutôt bien ou pas bien. D'accord? Ensuite, ici aussi, j'ai l'analyse de la rentabilité de mon devis. On voit que d'après ce que j'ai écrit, j'ai mis un prix horaire de 500 euros, j'ai dit qu'il y avait une quantité de 2 heures. Si je mets par exemple 5 heures, on voit que au niveau de ma rentabilité, le prix horaire, en fait, il est de 2500 euros de l'heure, alors que mon prix horaire conseillé était de 35 euros. Donc là, on voit que j'explose tous les chiffres. C'est pas mal. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que en termes de saisie, vous pouvez saisir de la prestation à la ligne, vous pouvez saisir des articles, mais vous pouvez saisir aussi des forfaits. Est-ce que vous savez ce que c'est un forfait? Ça ne vous parle peut-être pas. L'idée d'un forfait, c'est de dire à votre client, voilà, je fais une prestation. Cécile et Marine, si, on n'arrête pas d'en faire. Non, mais la différence entre saisir une ligne de presta ou d'article, quand vous allez générer votre devis, vous allez présenter à votre client final le fait que vous avez prévu de travailler X heures pour tant d'euros. D'accord? Donc, vous êtes très précis sur les prestations et ça se fait, c'est... Il y a des devis qui se font comme ça. Il y a d'autres devis ou des factures qui peuvent se faire au forfait. C'est-à-dire, moi, pour, par exemple, refaire ta chambre, il y a de la peinture, il y a des portes, il y a des velux à mettre, il y a arracher du plâtre, etc., etc. Moi, je te fais un prix forfaitaire global. J'estime que c'est à 10 000 euros le total. D'accord ? Bah, c'est typiquement le forfait pour, par exemple, les réseaux sociaux ou les lots d'articles. On dit, X posts sur telle plateforme, le calendrier éditorial, X aller-retour pour validation. Tout ça, c'est votre forfait, vous le mettez là après dans l'outil. Quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'à votre client, vous allez dire, voilà, moi, il y a une base forfaitaire globale de X milliers d'euros ou X centaines d'euros. Mais dedans, vous n'allez pas détailler les 10 posts, les machins, etc. D'accord ? Ce que vous allez présenter à votre client. Par contre, vous, quand vous allez réaliser le devis, il faut le faire pour savoir combien que ça va vous coûter en termes de charges et de temps de travail. Donc là, si je fais un forfait, donc là, j'ai marqué rédaction. On voit qu'ici, j'ai déjà créé un forfait qui s'appelle rédaction web. D'accord ? Normalement, ce n'est pas celui-là, j'ai dû l'appeler forfait. Alors, peut-être forfait. Oui, tu avais mis forfait rédaction. J'avais mis peut-être. FFT, non, je crois que tu avais mis FF ou... C'est pas grave, je vais en créer un. Forfait web. Voilà, je crée le produit. Quand je crée le produit, je peux très bien le créer dans mon référentiel produit, parce qu'on a référencé le produit, comme ça, j'aurais plus besoin de le ressaisir après à chaque fois. Ou bien je le crée directement dans mon devis. D'accord ? Alors, il y a un truc qui est très important quand vous faites un forfait, la TVA. Alors, pour vous, ce ne sera peut-être pas le cas, mais dans un forfait, la TVA doit être la même sur l'ensemble des prestations, qui est de la prestation de service ou de la vente de marchandises. Si vous vendez en forfait, vous ne pouvez pas mettre des choses à 20%, des choses à 10%, vu que c'est un prix global que vous montrez. D'accord ? Au niveau du forfait, vous allez dire, bah voilà, j'applique une TVA de 20%. D'accord ? Ça, c'est au niveau du forfait. Ensuite, on va rentrer dans le détail. Donc là, par exemple, tu t'avais dit quoi Je crois que tu avais un forfait. Non, mais Muriel, tu avais dit, je ne sais pas, article. Article, ouais. Oui, ou réseaux sociaux. 10 articles, par exemple. Oui. Voilà. Mmh. Ça va avoir un coût de 200 euros. Je dis des bêtises. Vous allez pouvoir ajouter une autre ligne au forfait. Par exemple, c'était réseaux sociaux. Là, c'est 1 000 euros. D'accord ? Je pourrais rajouter, pourquoi pas, un article de type produit, pourquoi pas une licence. Je
Enfin, si vous vendez parfois des licences ou d'outils, et vous allez dire c'est 500 euros. D'accord. Moi, juste de vous interrompre. Oui. J'ai juste un petit souci parce que j'ai un rendez-vous client, donc je vais devoir quitter le webinaire. Ouais, pas de souci. J'ai pas réussi à décaler le rendez-vous. Bon, je suis un peu déçue parce que c'était vraiment intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. Il y aura le replay, tu pourras reprendre. Le replay. Je suis un peu On pourra se contacter aussi. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on pourra refaire une démonstration si nécessaire. D'accord ? Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Au revoir. De rien. Au revoir. C'est vrai qu'il est déjà 11h. Donc là, très rapidement, en fait, j'ai fait un devis. Sur chacune des lignes, vous pouvez travailler sur la rentabilité. D'accord ? Et ce que je veux vous montrer là, c'est que en un clic, je peux télécharger ou prévisualiser le devis que je suis en train de préparer. Et là, on voit que j'ai juste mon forfait web qui va apparaître pour mon client qui a 10 200 euros. D'accord ? T'as mis, il faut juste mettre une unité, enfin une unité qu'en heure. Du coup, t'as mis 6 heures. J'ai peut-être mis ici 6 heures, là c'est sûr. Ouais. Je vais mettre juste des unités quand on est en forfait. Unité, voilà, par exemple. Voilà, je change. En fait, je gère vraiment ce que je veux présenter à mon client. D'accord ? Si je refais prévisualiser, là, ce que je présente à mon client, c'est bien une unité à 700 euros hors taxe. C'est l'intérêt, c'est que voilà, on décrit les étapes de la prestation. Là, on ne l'a pas mis, mais on mettrait les étapes d'une prestation réseaux sociaux ou rédaction optimisée pour le SEO. Et le client, il voit l'unité et il n'a pas le détail des heures qu'il ne regarde pas, quoi, finalement. Et ce devis-là, vous pouvez le voir ou bien le télécharger en PDF et ensuite l'envoyer à un client ou bien même, alors je vais l'enregistrer, hop, un brouillon. Ensuite, il y a tout le processus. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon devis, je peux travailler dessus, je peux le finaliser pour dire en fait, là, je vais l'envoyer à mon client. D'accord ? Donc là, il y a un numéro incrémental qui est automatiquement mis. On peut regarder ce qui est donné. Hop, je fais finaliser. Là, ça veut dire que mon devis, je l'ai préparé, je vais l'envoyer à mon client, il est tracé dans ma solution. Donc, soit j'enregistre le PDF si j'ai envie, donc là, je ne vais pas le faire. Et ensuite, je peux l'émettre. Donc, quand je clique sur émettre, je peux soit remettre le devis de main à la main, l'envoyer par courrier ou bien l'envoyer par mail. On a vu que tout à l'heure, j'avais mis un mail. Automatiquement, j'ai repris le mail du client. D'accord. Ici, j'ai l'objet qui est mis par défaut, ça vous pouvez le gérer. J'ai un texte qui est mis par défaut, mais ça aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous pouvez le gérer. Et là, si je clique sur émettre, automatiquement, mon devis est envoyé à mon client. D'accord. Une fois qu'il est envoyé au client, très rapidement, je vous montre, le devis, soit il est accepté, soit il est refusé. Vous allez revenir dessus. Je vais faire le cas où il est accepté. Je vais accepter le devis. Et là, en un clic, vous allez soit pouvoir préparer la compte, soit préparer la facture finale. Alors, quand je dis préparer la compte, c'est préparer la facture d'un compte. Il faut savoir qu'une facture d'un compte, c'est considéré comme une facture finale, entre guillemets, enfin, une facture officielle. Là, je vais faire directement la facture. Quand je clique sur préparer la facture, automatiquement, ça pré-renseigne la date d'échéance. Ça, c'est des paramètres qui sont définis quelque part dans l'outil. Ça peut être un mois, ça peut être à date, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Je fais préparer, et là, ça va préparer une facture, ce qu'on appelle pro forma, une facture brouillon, d'accord ? Où j'ai repris automatiquement tous les paramètres de mon devis qui sont repris. Ça va pour vous ? Après, on pourrait imaginer que votre facture, vous avez fait une modification dedans parce que vous avez fait des heures supplémentaires. Vous pouvez cliquer ici sur modifier et rajouter des heures dans la facture. Mais une fois que c'est finalisé, on ne peut plus. Tant qu'elle embrouille. Ah. Voilà. Et maintenant, si je clique sur finaliser, là, qu'est-ce qui se passe au niveau légal ? Donc, je reclique là sur finaliser. Boom. Là, je génère le PDF. Je génère vraiment ma facture. Elle est dans un état, figé. Je ne peux plus la modifier. Si je vais, par exemple, dans prévisualiser ma facture, je vois que j'ai généré un numéro de facture, qui est un numéro incrémental, qui est obligatoire au niveau légal. Ce numéro-là, vous ne pourrez pas y toucher, quoi. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'il y avait des abus avant. C'est avec Excel ou Word, vous pouvez faire 10 factures avec le même numéro, puis en déclarer qu'une seule, quoi.
Donc ça, c'est plus possible. D'accord? Et là, en un clic, on voit que j'ai récupéré toutes les informations et ma facture s'est faite très vite. Et même principe, ma facture, je peux les mettre à mon client. D'accord? Je peux l'envoyer par mail. Ou non, d'ailleurs. On peut les mettre juste dans le logiciel et l'envoyer à part par mail. Là, typiquement, voilà. Là, je l'ai mise dans le logiciel sans l'envoyer vraiment par mail. Mais l'idée, c'est de tracer le fait que je l'ai donné à mon client. D'accord? Et ensuite, on voit ici que les. Hop là, il faut que j'enlève ça. On voit ensuite que les. J'ai fait le devis, j'ai fait ma facture. L'étape suivante, c'est de passer à l'encaissement. Donc ici, je peux cliquer directement à partir d'ici sur encaisser. Et là, je vais saisir mes encaissements. Donc, ma facture, elle est à 2040 euros. Mode de paiement, chèque. On va mettre. Virement, plutôt. Virement, voilà, si tu veux. Virement. Je sauvegarde. Alors, je ne vais pas mettre la totalité. Je sauvegarde. Et automatiquement, là, je suis venu alimenter mon logiciel. Comme quoi, sur ma facture de je ne sais plus combien, de 2040 euros, j'ai déjà encaissé 1000 euros. Il me reste 1040 euros à encaisser. Donc, c'est suivi automatiquement, ça. Et vous pouvez retrouver ça après dans les indicateurs que je vous ai montrés au début de la solution. D'accord ? Je peux faire un deuxième encaissement ensuite et automatiquement, on pré-renseigne avec le montant qui reste à payer. Et là, ça va être de l'espèce. Je sauvegarde. Et là, je viens alimenter de nouveau mon outil. Et on voit que le reste à payer est à zéro ici. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a créé, c'est que vous pouvez avoir un décompte. Il y a des clients qui peuvent vous le demander d'avoir un décompte de ce qu'ils ont déjà payé. Donc, vous cliquez ici sur le décompte global et ça génère un document. Tac. Donc, il faut que j'aille chercher. Là. Vous le voyez? Ouais. Ça génère un document qu'on appelle décompte de paiement sur la facture correspondante avec le montant de la facture initiale et le détail de tous les encaissements. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. Par exemple, si tout n'était pas encaissé, vous pourrez dire à votre client, regardez, je vous ai généré un décompte de paiement, il reste 1000 euros à percevoir. D'accord ? Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant pour vous ? Donc, il y a le bilan. Là, c'est si vous voulez aller plus loin. Je ne sais pas si ça vaut le coup que j'attaque ça maintenant. Je ne pense pas. C'est encore plus loin, c'est analyser chaque facture si vous êtes rentré. Mais c'est un peu. Voilà, on va très loin. Non, ce que je peux vous montrer, c'est aussi à partir d'une facture existante, vous pouvez créer un contrat. C'est quoi un contrat? C'est une facture récurrente. Imaginez que votre client il veut une prestation de suivi, suivi de mes réseaux sociaux. Pendant 6 mois. D'accord. Vous créez d'abord la facture type. D'accord. Et dans différents endroits de l'outil, vous allez pouvoir créer le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est que vous allez mettre une date de début. Vous allez mettre une date de fin. On va aller chercher la date de fin. La date de fin, par exemple, le 31/12/2021. Vous allez dire, voilà, tous les temps de temps, je vais créer une facture. Donc, soit hebdomadaire, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit personnalisée. D'accord? Là, je vais mettre, par exemple, mensuel. Ça veut dire que tous les mois, il va me créer une facture à l'état brouillon correspondant à la facture que je viens de sélectionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on gère l'état à date. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 15 octobre. Le 15 novembre, il va me générer une facture en l'état brouillon et c'est tout. D'accord. Par contre, si je dis... Alors, attends, il faut encore que je vous bouge. Hop là. Si je dis, voilà... je veux qu'à date, tu ne crées pas une facture en mode brouillon, mais à émettre. Ça veut dire qu'automatiquement, l'outil va préparer la facture, va la générer comme une facture finale. Vous n'avez rien à faire. Et vous la verrez dans la liste de vos tâches. Donc, c'est l'outil qui va préparer tout ça. Donc, pour aller plus loin, carrément, l'outil peut l'émettre automatiquement. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler qu'il faut que vous envoyiez une facture tous les mois. À date, vous allez dire qu'elle est émise. C'est-à-dire qu'au 15 novembre, l'outil va automatiquement envoyer la facture. Ouais, la condition aussi, c'est que l'adresse mail soit renseignée. Si elle n'est pas renseignée, elle ne sera pas envoyée. Donc ça, c'est vous qui le gérez.
Si je clique sur créer, là, l'outil est en train de créer les différentes factures. Et on voit que pour le contrat Uber Test 2, j'ai ma facture d'aujourd'hui que j'ai créée. Et derrière, j'ai créé deux autres factures, pour le moment en état brouillon, qui vont être émises ou pas selon l'état que j'ai choisi, le 15 novembre et le 15 décembre. Ok, et ça permet d'avoir un tableau d'échéance éventuellement ? Exactement, tout à fait. Ici, en fait, on retrouve ici les factures récurrentes, typiquement. Là, je vois que j'ai la liste de toutes mes factures récurrentes que j'ai. Vous pouvez avoir des critères de recherche, nom du client, par exemple, sur, je ne sais plus comment je m'appelais. Si je prends le client Uber, Uber Test 2, je crois. Là, on voit la liste des factures de ce client. Je vais prendre Uber Test 2. Hop. Uber Test. Hop là. Bon, il y en avait d'autres. Uber Test 2, je peux avoir toutes mes factures concernant tel ou tel client. Quoi. D'accord ? Bon, ça fait beaucoup de choses, je sais. N'ayez pas peur, il y a du volume, mais... Mais ça, en termes de gestion, c'est super parce que vous n'avez plus besoin de vous rappeler. Merde, est-ce que j'ai préparé la facture ? Est-ce que j'étais avec toi ? Dans le menu, c'est bien. Enfin, moi, je sais que je passe par le menu. Je clique sur contrat. Je vois tous les clients qui sont sous contrat. Dans le menu global, je fais contrat. Je vois la liste. OK, j'ai créé des contrats pour un tel. Et puis, du coup, je dis, tiens, en fait, j'en suis où pour un tel ? Je clique et je vois quelles sont les factures en brouillon et quelles sont les factures générées. Là, vous voyez que la date de paiement, si ça a été payé ou pas, quoi. Voilà, qui est soldé, qui n'est pas soldé. Et après, moi, je préfère, comme tu m'avais conseillé, Christian, je les laisse en brouillon, comme ça, si jamais il y a des modifs ou qu'on ajoute des choses dans la prestation, je peux toujours modifier. Je ne les fais pas directement. Typiquement, là, jusqu'au 15 novembre, cette facture-là, elle est en mode brouillon. Donc, je pourrais aller dedans et juste celle-là, la modifier, je vais vous montrer. Je vais faire modifier. Je vais mettre un autre chiffre ici, je vais mettre 300. Je vais sauvegarder le brouillon. Et là, vu qu'il détecte en fait que c'est une facture d'un contrat qui avait exactement les mêmes valeurs, il me dit, tiens, c'est bizarre, tu modifies une facture. Est-ce que tu veux que cette modification soit impactée sur toutes les factures suivantes? Parce que c'est peut-être votre contrat qui a évolué. Bien, tu veux que ça n'impacte que cette facture-là. Donc là, je vais dire, par exemple, je veux que ça impacte que cette facture-là. Je fais modifier. Et ça va, la modification que j'ai faite n'impacte que cette facture-là. Et si je vais sur voir contrat, eh ben on voit qu'ici, ma facture du décembre, elle n'a pas changé par rapport à ce que j'avais au départ. Et que celle que j'ai générée, là, 2160, là, elle va être changée. D'accord ? Oui, c'est top ça. Et aussi, par exemple, je peux mettre fin au contrat. Bah, le client, il ne veut plus travailler avec vous. On est au mois d'octobre, il ne veut plus travailler avec vous. Si je mets fin au contrat, là, automatiquement, ça va supprimer ces factures qui ne sont pas encore générées. C'est des factures pour format, des factures brouillon. Ça va les supprimer automatiquement. Voilà, et si du coup, on avait mis je fais un contrat et que les factures sont directement émises, quand tu mets fin au contrat, ça fait des. Il faut faire des avoirs ou ça dépend, parce que ça dépend si tu as eu des encaissements ou pas. OK. Donc, si tes factures sont émises, elles ne seront pas supprimées. Tu as peut-être fait des encaissements dessus. Logiquement, si elle est émise, moi, je ne sais pas te dire si tu veux faire un avoir ou si tu as quand même reçu l'encaissement. Donc, après, si on fait ça, on va faire des avoirs, quoi. Ouais. Okay. Moi, les brouillons, je les supprime, mais pas les factures émises. C'est à toi d'aller traiter ce cas particulier-là. OK. Je sais que ça fait déjà beaucoup. alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant, mais sachez que dans l'outil, on gère, donc il y a plusieurs listes. Il y a la liste des affaires, il y a la liste des devis, des factures, des avoirs, etc. On gère le référentiel client, d'accord ? Donc là, par exemple, si je vais chercher le client test, hop, j'en ai toujours 15 000. je vais prendre celui-là, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai les informations de mon client. Et ici, je peux avoir une petite analyse rapide de ce client-là. Le chiffre d'affaires en cours et le chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Ou bien aller voir ses devis et ses factures. Et deux indicateurs qui sont intéressants, c'est les devis acceptés non facturés et les factures émises non soldées. L'argent qu'il vous doit, en fait, ce client.
J'ai le référentiel produit et service, j'ai le référentiel fournisseur, et vous pouvez avoir différents exports. Ça ne vous intéresse pas, mais en fait, toutes nos données-là peuvent être exportées pour un logiciel comptable derrière. Si les données sont correctement renseignées, pour la vente, ce sera le cas. Pour la dépense, ça dépend comment vous saisissez vos dépenses. D'accord? Je vais vite, hein, pour terminer. Pour finir, ici, je peux aller dans mon entreprise. Donc ici, j'ai différents paramètres, hein, de l'entreprise. Vous pouvez avoir des collaborateurs, donner accès à des tiers pour la même tarification, hein. Vous gérez ici les exercices fiscaux. Et dans mon entreprise, vous allez gérer les informations d'identification de votre société. Vous allez pouvoir mettre un ou deux logos, si vous le souhaitez, sur vos devis et factures. Vous allez gérer les adresses. Vous allez gérer tout ce qui est information bancaire et légale. Typiquement, ce que vous avez vu tout à l'heure, là, vous pouvez rajouter une nouvelle mention légale qu'on n'a pas prévue, que vous voulez voir tout le temps sur vos factures. Voilà. Vous allez gérer des paramètres divers et variés concernant. Alors, ça, c'est les taux de TVA par défaut qui apparaissent dans l'outil, juste par défaut. Et ça, c'est des paramètres comptables, donc, qui vous intéresseront peut-être moins. Vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Et ici, c'est le suivi des dépenses. Ah, je ne vous l'ai pas montré, mais dans l'outil, on gère les frais kilométriques, s'ils sont au forfait ou réels. S'ils sont au forfait, vous avez juste à saisir. Bah, je vous montrerai, bah, là, ils sont réels, ce n'est pas le bon exemple. Mais vous avez juste à saisir la distance que vous avez fait. Ça va calculer automatiquement le remboursement par rapport aux aspects légaux. Je ne sais pas, 42 centimes du kilomètre, par exemple. On gère plein d'informations comptables. Donc là, on peut vous aider là-dessus si vous les utilisez. Je ne vais pas vous faire peur tout de suite avec ça, mais en fait, derrière l'outil, il y a plein, plein d'informations comptables qui peuvent être gérées. Mais pourquoi pas l'occasion de travailler là-dessus avec votre comptable, hein, si vous en avez un, ou pas. Donc ça, c'est les informations de l'utilisateur qui est connecté. À savoir que pour se connecter, c'est une adresse mail. Voilà, elle est unique. C'est l'adresse mail là qu'on utilise. Vous pouvez gérer vos véhicules, ça c'est pour les frais kilométriques. Vous pouvez gérer, ça c'est les barèmes des frais kilométriques. Donc voiture, moto, scooter, vélo, on gère les barèmes de remboursement de frais de repas et on gère les barèmes téléphoniques. Donc automatiquement, si vous avez des barèmes spécifiques que vous créez des dépenses de bouche, on va appliquer le barème des frais de repas. Et ce qui est intéressant à mettre, c'est que même donc si vous êtes en auto-entreprise, on dit on ne peut pas déduire les charges, mais c'est bien quand même de les saisir pour se rendre compte de sa rentabilité réelle. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que sinon, on Et peut se dire, dernier ah, bah, point. de toute façon, je ne peux pas déduire, et puis du coup, on ne les prend pas en compte. Mais pour autant, quand on va au rendez-vous client, on a dépensé de l'essence, ou on mange à droite à gauche. Quand on rend visite à un client ou on invite un client, ben, on dépense quand même et en auto, ben, vu que c'est pas pris en compte, on a tendance à l'occulter en fait. Ouais, tout à fait. Et ensuite, ici, j'ai les modèles de mails, où là, on gère en fait des mails pour envoyer les devis, les factures, les avoirs et les relances de devis, les relances de factures. Donc, quand vous créez un compte, par défaut, on met un modèle standard, ou automatiquement, on met l'objet, etc. Mais vous pouvez vous compléter ces mails standards parce que vous voulez, hein. Signature, Christian, commercial. Et ici, le contenu, vous pouvez rajouter des choses et rajouter, pourquoi pas, le nom du client, espace, etc., la référence de la facture, espace. D'accord? Donc ça, c'est vous qui pouvez le gérer. On met des choses par défaut et on le gère derrière. Voilà, alors il y a encore d'autres choses que je ne vous ai pas montrées, mais je ne sais pas si vous voulez encore plus dans le détail. Sachez juste qu'en bas, ici, il y a l'adresse du support. On a quelques tutoriaux vidéo sur YouTube. On fait avec nos moyens. Voilà. On a une FAQ qu'il faut que je mette encore à jour, qu'on essaie de mettre à jour régulièrement, mais vous pouvez trouver des informations là-dessus. Moi, sur les avoirs, par exemple, voilà comment générer un avoir, éditer l'avoir. Vous cliquez dessus, voilà, c'est expliqué littéralement. C'est une petite aide qu'on a ici. Et sachez qu'on fait des mises à jour quasiment tous les mois de l'outil avec des corrections d'anomalies, des évolutions qui viennent alimenter en fait les différentes fonctionnalités. Voilà. Tout ça pour que votre société tourne bien et que vous puissiez faire votre business
dans la continuité, dans le temps. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une micro. Alors, c'est juste un détail. Tu as une question, Célia, aussi? Oui, mais vas-y. Moi, je suis vraiment au tout début. Ouais. Dans la partie entreprise, moi, du coup, je n'ai pas de capital puisque c'est une micro-entreprise. Ouais. Et dans ce que j'avais généré un peu de manière comme ça pour tester, il y avait écrit capital 0 euros. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas avoir cette info qui n'est pas très… Alors, dans le devis ou dans les factures, si la valeur n'est pas renseignée ou est à zéro, ça n'apparaît pas. Ah, ça n'apparaît pas, ok. Ouais. D'accord. Oui, si ça apparaît sur le devis, ce n'est pas très intéressant, c'est clair. Ouais. Par défaut, normalement, dans l'outil, une information qui n'est pas renseignée et qui n'est pas obligatoire, si elle n'est pas renseignée, elle n'apparaît pas dans le devis ou dans la facture ou dans la voie. D'accord, ok. Ça marche. Après, je ne vous ai pas montré toute la problématique. Enfin, problématique, non. Toutes les possibilités d'abonnement. Il y a trois types d'abonnements. Il y a un abonnement, on va dire, free, où vous avez le droit de faire trois affaires par mois maximum. Vous ne payez rien du tout. Vous avez un abonnement mensuel. C'est 35 euros hors taxe par mois. D'accord. Donc là, c'est sans engagement. Vous payez tous les mois 35 euros hors taxe. Ou bien, si vous prenez l'abonnement annuel, c'est 350 euros l'année. 29,17 euros le mois, en fait. Si vous vous engagez sur l'année complète. Sachant que le support par mail est compris. Voilà, donc vous avez des questions, on vous répond, que ce soit des problèmes techniques ou des problèmes fonctionnels. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vous faire une formation avec le support sur comment établir un bilan. Ou... Voilà, ça, on fait des. Si vous le souhaitez, on peut vous accompagner à côté. Célia, oui, tu avais ta question. Oui, allez-y. Est-ce que les factures, elles sont sauvegardées dans cet outil? Enfin, combien de temps elles sont conservées? La durée de conservation légale, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 ans. Oui. Voilà. Okay, donc, à savoir qu'ici... C'est pour qu'on fasse une sauvegarde nous-mêmes. Ouais. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est très simple. Vous cliquez, par exemple, sur ici, « Exporter documents ». Ah, super. Je vais dire, je vais pas prendre toute la base. Hop, je vais exporter toutes mes factures. Donc là, c'est les documents. Je suis dans le référentiel facture. Donc, toutes mes factures, je fais télécharger. Et là, en fait, je télécharge sur mon PC toutes mes factures sur l'intervalle des dates que j'ai dit. Ok, super, merci. Alors, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, c'est sauvegardé dans le cloud. Mais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un data center qui a brûlé à Strasbourg. Mm. Et là... Là, ça fait mal à certains, quoi. Mm. Oui, n'hésitez pas à le faire. Normalement, les données sont répliquées sur un autre serveur. Hein. Derrière nous, c'est Microsoft qui héberge tout ça. Donc, c'est quand même un gros, gros prestataire. Hein. Mm-hmm. Ouais, par rapport à ça, quoi. Moi, je garde aussi sur le PC en plus, quand même. je vous ai... téléchargement, facture. Donc là, ça a téléchargé les factures et ça les met sous ce format-là. Donc, ça les trie par mois. Ouais, 10, c'est moi, ça veut dire que c'est le mois d'octobre. Et, voilà. Et on voit là que je retrouve la facture que j'ai générée tout à l'heure, je crois. D'accord. Ça, vous pouvez faire sans problème. J'ai juste regardé quelque chose. Voilà, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non. Si ce n'est que dans l'outil, c'est bien d'utiliser plusieurs factures, les factures récurrentes ou les contrats, comme ça quand vous encaissez, ça alimente bien les indicateurs. Faut éviter les acomptes, parce que les acomptes c'est bien, mais ça compte pas dans le chiffre. Là, je vous présente juste, j'ai reçu le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Voilà, j'ai reçu un mail avec la pièce jointe qui est liée, quoi. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mmh. Ah non, c'est déjà pas mal, hein, tout ça. Muriel vous donnera mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi contacter le support. Puis, je crois qu'il y en a une de vous deux qui a déjà créé un compte. Oui, Marine, oui. Oui, c'est un compte, oui. Mm.
faut que, ouais. Dans le cadre de la masterclass, je pourrais faire quelque chose si vous avez besoin d'une formation de 2 ou 3 heures. Voilà, on fera un tarif adapté, voilà, avec une remise. N'hésitez pas. Le budget, c'est important. Le budget prévisionnel, c'est important. Donc, on vous fera on une formation par rapport à ça. Et si tu peux faire une petite réduc, si quelqu'un s'abonne, ce serait bien. Ouais. Alors, on fera quelque chose, s'il y en a une de vous deux qui s'abonne, je voudrais tester quelque chose, donc ça sera l'occasion. Ok. Voilà. Moi, je vais m'abonner. Eh bien, on testera. Voilà, on risque de passer peut-être du temps, peut-être pas du tout. Juste tester, il faut que je teste quelque chose pour faire une remise exceptionnelle que je n'ai jamais testée, en fait. Ce sera l'occasion. Ok. Non, puis après, c'est utile. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des outils gratuits de Bifacture et en fait, c'est bien, mais ça n'apporte pas toute la vision qu'on a avec MySam. Enfin, je sais que j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Ça fait quand même de nombreuses années maintenant. J'ai le recul et je vois bien que ça me donne une vision sur plein de choses. Et puis, dans l'opérationnel, ça me facilite, quoi. Puis, alors maintenant, avec la fonctionnalité des contrats qu'on n'avait pas au début, c'est vraiment super, quoi. Surtout qu'on est dans l'optique de vendre par abonnement, d'engager, de fidéliser. Et ben derrière, administrativement, c'est facile à gérer, quoi. C'est facile à gérer, quoi. Ok, bah merci Christian. Bah, merci à toutes les deux, enfin, à toutes les trois, enfin à toutes les quatre. On a une qui est partie avoir assisté. Et n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers le support si vous avez des questions. On est plusieurs derrière le support, donc dans tous les cas, j'aurai l'information. Même si ce n'est pas moi qui vous réponds, j'aurai l'information. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Oui, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.